J'ai commencé l'aïkido en France, hein, à Paris. Au départ, j'avais un professeur qui s'appelait Jean-Claude Tavernier. Et c'était le style qu'on appelait le style Mochizuki. Donc c'était Hiro Mochizuki, qui est le fils de Minoru Mochizuki, qui à l'époque était notre professeur, peut-être pendant un an. Et ensuite, on a rencontré Nakazuno Sensei, qui arrivait de Marseille. Alors c'était une révélation, parce que bon, c'était un aïkido très différent. Enfin, c'était vraiment d'aïkido, quoi. Et donc, j'ai suivi avec Nakazuno Sensei jusqu'au grade de deuxième dan, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, j'ai voulu partir au Japon et me perfectionner en aïkido, quoi. Dans mon idée, c'était pour partir quelques mois, quoi. Je pensais que c'était largement suffisant de faire de l'aïkido pendant 6 mois au Japon, même de poser les pieds au Japon, je pensais que c'était suffisant. Puis voilà, puis les choses, enfin, tous les gens qui sont allés là-bas connaissent un peu le système, quoi. On est vite pris par le rythme japonais, la facilité aussi quelquefois, c'est peut-être un peu différent maintenant, mais à l'époque, bon, c'était pas évident, je veux dire, de trouver du boulot, mais assez rapidement, les relations sont assez simples au Japon, enfin, pour quelqu'un qui est jeune, qui a pas trop de demandes, ouais, qui est gourmand un petit peu d'apprendre des choses, bon, assez rapidement, tu te sens bien, quoi, tu fais ta vie. Pour moi, Tokyo, par rapport à Paris, c'était presque un village de campagne, un grand village, mais un village de campagne, quoi. Les petites rues, les maisons, il n'y avait pas d'immeuble. Le quartier de l'Aikika, le plus grand immeuble, c'était l'Aikika lui-même, quoi. Donc voilà, quoi. C'était encore la campagne, quoi, quelque part. Donc c'était ce rythme qui me plaisait, quoi. L'entraînement, puis en même temps, le fait qu'on peut, on peut côtoyer les gens facilement. Et... Quand je suis arrivé, bon, je faisais tous les cours, quoi, du matin au soir. De toute façon, j'avais pas grand-chose à faire, donc je faisais tous les cours. Et puis, bon, c'était intéressant. À l'époque, il y avait encore Saito Sensei qui donnait cours le dimanche matin. Il y avait Toei Sensei, Akira Toei qui est parti aux États-Unis ensuite. Donc voilà, je faisais tous les cours. Bon, après, bon, on a forcément quelques préférences, bien sûr. Même si je ne comprenais pas leur aïkido, je ne comprenais rien à l'aïkido du Doshu parce que c'était tellement différent de ce que j'avais appris, donc je doutais même de ses qualités, quoi. Il m'a fallu un peu de temps, voilà, pour me dire bah oui, voilà, j'ai une vision qui est fausse, quoi. Enfin, ça ne ressemblait pas à ce que j'avais appris, donc forcément ce n'était pas bon, quoi. C'est intéressant parce que bon, il se demandait un petit peu, surtout le Doshu. Bon, Yamaguchi Sensei, il savait, puisqu'il avait reçu une lettre de Nakazuno Sensei, mais bon, le Doshu, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Il se demandait un petit peu qui j'étais, quoi, un gamin comme ça, 18 ans, tout ça. Alors il tournait. Il était un peu timide, le Doshu, donc il tournait un peu autour de moi. Puis une fois, il vient me parler. Bon, je ne parlais pas trop japonais, donc forcément, la communication était difficile. Puis petit à petit, comme ça. Les relations sont instaurées, puis comme j'avais l'âge de son fils qui commençait l'aïkido, enfin qui a commencé tout jeune, mais il était encore avec une ceinture blanche, il n'avait pas d'akama, l'actuel Doshu. Et puis bon, on avait le même âge, donc on bossait souvent ensemble, quoi. Alors petit à petit, bon, il me prenait un peu comme Uke, comme ça, etc. Et voilà, et donc les choses se sont faites et c'est devenu un de mes sensei à part entière, quoi. J'ai suivi ses cours tous les matins pendant des années. Parallèlement à ça, bien sûr, Yamaguchi-sensei, principalement, à la fois au Ombu Dojo et au Dojo de Shimokitazawa. Et puis, bon, à Meiji aussi, tous les jeudis matins, où on allait. Donc là, c'était des relations un peu plus filiales, quoi. J'allais chez lui, il m'avait pris sous sa coupe, ouais, il s'occupait vraiment de moi. Et puis bon, tous les autres sensei avec qui j'étais proche, c'était Saotome sensei, c'était Masuda sensei avec qui on était très proches, on sortait ensemble. À l'époque, Endo sensei venait juste d'avoir le quatrième dan, Suganuma aussi, il commençait à enseigner à des cours d'Ekai, mais pas encore là-haut. Et Saotome sensei était sixième dan, il enseignait bien sûr. Il y avait un cours, je crois, tous les mercredis après-midi, il avait 3 heures. Bon, puis je travaillais avec tout le monde, hein, tous les cours. Watanabe, bien sûr, voilà. Bon, donc comme on me voyait souvent, bon, moi, je faisais partie un petit peu du dojo, quoi, voilà, quoi. Ouais. Franchement, j'ai jamais eu cette difficulté. J'ai jamais, comment dire, essayé de mimer Yamaguchi-sensei, en tout cas dans ses formes excessives, enfin, je dirais pas ses formes excessives, mais... les formes excessives de Yamaguchi-sensei, on ne les voyait pas chez Yamaguchi-sensei, c'était de la pureté. On les voit chez certains de ses élèves,
pas chez Yasuno par exemple, mais chez certains, même étrangers qui étaient là-bas à l'époque, et qui mimaient évidemment, on mime toujours le plus facile. Hein. Il suffit qu'un prof se passe la main dans les cheveux, on va se passer la main dans les cheveux, d'accord. Voilà, donc cette façon d'être un petit peu désinvolte, alors Kamui Sensei ne l'était pas, mais l'idée que ça donnait, cette façon peut-être de jouer avec le partenaire. Kamui Sensei ne jouait pas avec le partenaire, il n'aimait pas jouer avec les partenaires. Il disait toujours que Wakiganai, il ne faut pas qu'il y ait d'ouverture, etc. Mais ça, les gens ne le comprenaient pas. Et je pense que ce qu'il aimait bien aussi chez moi, c'est que voilà, j'étais authentique, je faisais mon aïkido. Mais bon, quand il faisait ses cours, je faisais ce qu'il montrait. Et j'essayais de le faire du mieux que je pouvais, parce que c'est ce que j'avais envie de faire également. Mais j'allais au cours de Osawa Sensei, c'est totalement différent. Je faisais l'aïkido de Osawa Sensei, enfin au sens de la gestuelle, quoi. Et donc, j'ai jamais eu de problème, je pense, peut-être que quelqu'un qui a un regard, qui a eu un regard aurait pu penser que c'était différent, mais d'adaptation, puisque bon, tous me prenaient comme Uke de la même manière. Même quand Tada Sensei est venu au Japon, il enseignait tous les mardis, à partir de 74 ou 75. J'étais très souvent Uke de Tada Sensei, alors qu'on n'a pas du tout le même aïkido, quoi. Enfin, je pense que ce qui est important dans l'aïkido, c'est pour ça que c'est important pour moi d'aller au cours du Doshu, c'est d'avoir une formation de base qui n'est pas discutable. Quoi. Enfin, au sens, on ne va pas parler d'aïkido officiel, mais voilà. Si par exemple on prend des débutants et si on veut avoir un langage commun, bah oui, peut-être que c'est mieux de leur apprendre dans un premier temps sur Shomenuchi, sortir de la ligne, revenir sur la ligne, repartir sur le côté, etc. Voilà, ce genre de choses pour Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo. Et après, chacun suivant sa sensibilité, ce qu'il ressent sur le moment, les créations qu'il peut avoir dans l'aïkido, s'il veut faire une entrée droite, ou comme Endo Sensei, ramener un petit peu la main, ou comme un autre, être plus direct, voilà. Mais si on n'a pas un langage commun, si on n'a pas des bases, c'est un peu différent, parce que on est à l'aise nulle part, quoi. Donc, ce qui est important, quand on voit un nouveau Sensei, c'est surtout de voir ce qu'on... Pas de voir, enfin, on voit l'ensemble, et on dit, tiens, ça, je l'évacue, parce que ça, je le connais. À ça, par contre, c'est différent, ok. Mais, enfin, les Kikai, ils ont tous la même base. Hein. Non. Moi, quand je suis arrivé au Japon, j'avais pas encore compris ce que c'était un Kaomote en Hura, quoi. Pour nous, Nikkyo, c'était toujours comme ça, parce que le niveau était tel, même au niveau des Uke, quoi. Quand un sensei japonais, par exemple, arrivait quelque part pour défricher, aller faire un ikkyo, faire un changement de main, etc. C'est un ensemble de conditions. Il faut mettre le partenaire, enfin, faut lui expliquer qu'il ne faut pas se retourner, etc. Ou alors il faut appliquer, quoi. Donc, c'était plus facile pour eux de dire, voilà, ikkyo, crac, c'est ça. Ah, ça fait mal, bon, on comprend. Ah, sankyo, ah, c'est... Oui. Donc, il n'y a pas trop de omoteura, quoi, c'était à l'époque. Donc, je suis arrivé au Japon. C'était une découverte pour moi, la structure qu'avait mis en place le Doshu, c'est-à-dire une codification finalement, hein. C'était une grande découverte. Je dirais qu'à cette époque-là en France, on faisait plus un aïkido d'application, c'est-à-dire on appliquait plus les techniques que de la technique, quoi. Non, c'est parce qu'il n'y avait pas le niveau. C'est pareil, enfin bon, moi je tourne beaucoup dans le monde entier, je veux dire, si tu es dans un dojo où il n'y a que des kokunage, c'est que le prof n'est pas bon, tu vois, parce que c'est facile, quoi, les projections, les grandes chutes. Quand tu commences à vouloir faire un enseignement, je ne sais pas, katate de ni kyo, ni kyo, sankyo, yonkyo, avec les bons changements de main, quand tu as le coude, pas lâcher le coude pour prendre le poignet, mais au contraire, c'est de la technique, quoi, je veux dire, ça s'apprend, ça prend du temps, et puis il y a une logique. Donc, il fallait que déjà eux, les enseignants, connaissent cette logique, ce qui n'était pas le cas. Parce que, même encore maintenant, hein, tu demandes à quelqu'un pourquoi on fait comme ça, parce que c'est comme ça, quoi. Mais voilà, est-ce que quelqu'un réfléchit sur le... Certains, oui. Yamauchi-sensei, oui. Ouais, chaque fois que tu avais une question, tu avais une réponse. Il y a des choses qu'ils ne voulaient pas faire, Yamauchi-sensei. Tu l'aurais jamais vu travailler sur Ayami Katate Doli. Peut-être simplement pour Nikki Ura, mais bon, pour lui, ce n'était pas une saisie, quoi. En Hami Antachi, à part Shionage, Kaiten Nage direct, ça ne leur serait jamais venu à l'esprit de faire Shomenuchi, j'en sais rien, Irimi Nage, parce que pour lui, ça n'avait pas de sens, quoi. Alors, dans des passages de grade, il aurait pu le demander, mais dans son enseignement de 8e Dan, et de 9e Dan par la suite, il ne voulait pas le faire lui-même, quoi. Mais maintenant, c'est la même chose, il y a des choses que j'ai plus envie de faire, quoi. J'ai plus envie d'enseigner des techniques de, par exemple, de tachidori, tellement ça me semble improbable. Enfin, je veux dire, j'ai une expérience un peu dans les arts martiaux, j'en ai fait en Sanken, j'en ai fait en Outol.
Bon, je veux bien montrer quelques formes parce que c'est intéressant, c'est éducatif. À un moment, tu n'y crois pas, quoi. Enfin, je veux dire. Hein. Et le couteau, c'est pareil, quoi. Enfin, oui, il y a des passages de grade. Bon, bah, ouais, on va faire côté gaïchi, deux, trois techniques. Mais c'est important que mes assistants l'enseignent pour former les gens. Puis aussi parce que les armes, c'est pas apprendre à se défendre contre un couteau, c'est éveiller des priorités. Quand il y a un couteau, même en bois, dans la technique, il y a une autre priorité. Par exemple, si on fait chienaguer, par exemple, sans couteau, sur Lyokumen, bon. La main peut passer près du corps, c'est même mieux. Avec le couteau, on ne peut pas, parce qu'à un moment, il y a une priorité, quoi. Donc, voilà, c'est un côté un peu pétillant, hein. Mais si on n'a pas ce sens-là, ça ne sert à rien. Donc, ce côté pétillant, quelles sont les priorités dans une action, ça, c'est important. Mais, point de vue self-défense, ben, c'est pas ça. Alors, donc, c'est bien que les enseignants, enfin, mes 3e, mes 4e, 5e, 6e d'année, ils l'enseignent. Moi, avec le peu de temps, entre guillemets, qui me reste à enseigner, qui me reste à vivre, et par rapport au message que je crois pouvoir apporter, enfin, je n'ai pas un message, je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais s'il y a des gens qui sont intéressés par ce que je fais, autant qu'ils soient intéressés par ce qui m'intéresse dans l'instant, plutôt que par des choses auxquelles j'ai cru un moment, mais je ne crois plus maintenant, quoi. Puis en plus, j'imagine, via les stages aussi, ils n'ont pas autant d'accès pour Voilà, toi. y a un ensemble de choses. Voilà, donc c'est pour ça que y a, dans des périodes d'aïkidoka, enfin, toi, tu as des périodes, quoi. Enfin, bon, toi, tu es aïkidoka, tu es plus jeune que moi, tu sens bien, à un moment, tu as envie de faire un autre truc, parce que pour moi, ça a été la boxe. Ça a commencé avec Saotome Sensei, parce qu'on mettait des plastrons, encore après les cours, on mettait des plastrons, il aimait bien, on se faisait des coups de poing, enfin, j'ai servi de punching ball, etc. Tu vois, ça donne de l'expérience. Bon, après, voilà, quoi, c'est. Il faut faire le tri de tout ça, quoi, parce que le problème de l'aïkido, c'est que c'est très très vaste et ça se résume à une seule chose, quoi. Enfin, c'est toujours le même mouvement finalement, l'aïkido. Enfin, c'est toujours la même sensation, enfin, à mon avis, quoi. Quelle que soit la technique. Donc, tu as un éventail. Au départ, si tu veux, la technique, c'est un éventail, quoi. C'est-à-dire, tu ouvres comme ça, puis tu apprends toutes les formes. Un peu comme dans le kenjutsu ou dans le karaté, les katas, quoi. Tu apprends toutes les probabilités. Enfin, probabilités. Tu apprends toutes les techniques qui un jour pourraient arriver, mais probablement elles arriveront jamais. Mais on t'apprend tout, quoi. Hein? Et puis, mais tu as un seul creuset, quoi. Puis à un moment, il faut que tu fermes ton éventail, quoi. Tu vois? Et puis, il n'y a plus qu'une seule technique, quoi. Donc au départ, oui, c'est vrai, on va travailler Yokome Uchi, bah oui, Yokome Uchi Ikkyo, bah, tu fais ton entrée. Et puis, bon, comme tu es un peu statique parce que tu apprends, bah, faut que tu te déplaces sur le côté pour ne pas rester dedans, puis tu reviens. Puis après, tu commences à avoir un mouvement qui emmène un peu le partenaire, donc c'est l'autre main qui travaille pour joindre les deux mains, tu vois, parce que sans ça, c'est trop statique. Puis après, bon, tu vas plus vers l'application, tu vas davantage vers le point qui est derrière. Puis après, tu fais Ikkyo un peu de la même manière. Puis à un moment, tu te dis, mais si je travaille bien, que ce soit Yokomen ou Shomen, en fait, tu peux faire exactement le même mouvement. Parce que ce qui n'est pas important, c'est la main, c'est le point qui est derrière. Tu vois. Donc, c'est une anticipation, hop, tu es déjà dessus. Tu vois. Et finalement, tu t'aperçois que tu as eu besoin de toute cette ouverture, de toutes ces techniques, tu vois, pour finalement arriver à une seule chose. Et bon, par exemple, en ce moment, je travaille à quelques petites choses là sur Ryote Doli, les Kokuho. Et je dis, mais attends, j'ai mis 50 ans pour comprendre que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est plus facile. Et en fait, c'est la même manière, enfin, je fais Ikkyo de la même manière, quoi. Et donc, tu te dis, bah, c'est exactement le même principe. Parce que les principes, enfin, il n'y a pas, c'est les principes naturels, c'est tellement simple, quoi. Là-dessus, bon, tu as tout à fait raison. Mais il y a aussi autre chose, si tu veux, c'est que souvent les gens, ils font de l'aïkido pendant quelques années, ou même 10 ans, ou même plus, et puis à un moment, ils font de l'aïkido pour une raison précise, c'est-à-dire parce que je veux. Et en fait, souvent ils se trompent, parce que les raisons précises, elles viennent après. Tu dis, mais voilà, je fais ça, mais attends, mais c'est à milieu de ce que je pensais que c'était, ou de ce que je ressentais, ou ce que j'ai voulu devenir, quoi. Ça n'a rien à voir, tu vois ce que je veux dire? Alors, enfin, dans mon cas, après, c'est autre chose, mais toi, bon. Tu changes de but. Ben oui, parce qu'à un moment, tu t'aperçois que voilà, ça t'ouvre des portes constamment, si tu vois, t'ouvre des portes, et puis elles sont de plus en plus grandes ou de plus en plus étroites, j'en sais rien, quoi, tu vois. Alors, si elles sont de plus en plus grandes, tu as de plus en plus d'intérêt en plein de choses, et quand elles sont de plus en plus étroites, tu t'aperçois que c'est ça, quoi, et puis il ne faut pas que tu le rates, tu vois ce que je veux dire. Et c'est toujours des perspectives, tout le monde. Et c'est ça la pratique, sans ça, tu t'ennuies, quoi. Parce que quand tu as fait le tour, quand tu as fait. Ben, quelqu'un qui arrive à 4e dan, bon, 5e dan, avec un bon niveau technique, qui n'a pas de blessure, on dit, ah, Ikkyo Nikkyo Sankyo Yonkyo. Si tu le revois 30 ans après qu'il fait la même chose, c'est qu'il a manqué le train, quoi, quelque part. Enfin, il peut reproduire la même chose, parce que, bon, à un moment, tu
tu as quelqu'un qui débute, on te demande de faire un catalogue technique, oui, bah, tu le refais, quoi. Enfin, quand tu peux le faire, si tu peux te mettre à genoux encore, mais bon. Mais bon, tu fais ton truc, quoi. Je veux dire, moi, si on me demande de faire Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, je le fais souvent sur Shomen Uchi, les techniques classiques, un peu comme on ferait les Ikikai, comme après les Uchi Leshi, bon, bah, oui, je vais le faire comme eux, quoi, tu vois. Maintenant, c'est ce que je faisais il y a 30 ans, quoi, donc, ou 40 ans, donc... Il y a d'autres sensations qui rentrent en ligne de compte. Alors des fois on se fourvoie, hein, des fois on se fourvoie pas, mais c'est inutile des fois. Parce que tu as un mode opératoire qui fonctionne bien sur un moment, tu vois. Bon, je fais du golf en ce moment, bon, je suis pas bon en golf, tu vois, mais enfin, j'en fais beaucoup parce que j'ai retrouvé une grosse similitude avec ma recherche en aïkido. Mais tu vois, bon, des fois, en trichant un peu, j'envoie mieux la balle, tu vois. Mais le prof, il me dit, mais non, ton mouvement, il n'est pas bon. Alors évidemment, pendant 2 mois, ça va aller mieux parce que tu as trouvé qu'en mettant la main comme ça, ça va mieux. Mais ça va te freiner dans ta progression, tu vois. Parce que ça devient quelque chose qui est hors des principes, tu vois. Donc, quelque part, tu es obligé de les faire, ces erreurs-là. Non, oui, oui, non, mais tu les fais forcément. Mais le tout, c'est l'honnêteté que tu as, tu vois. Ouais. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, tout est qui doit ça, et des fois tu peux passer ton mouvement en force. Mais tu le sais, si c'est honnête avec toi, tu le sais, quoi, je veux dire. Ben, quand tu triches, tu le sais. Si tu sais pas quand tu triches, c'est grave, quoi. C'est ça le problème. Si tu sais pas quand tu triches, c'est grave. L'aïkido d'Yamaguchi-sensei était très incisif. Hein. Enfin, c'était vraiment c'était des coupes. Enfin, son mouvement, c'était la position des mains. Enfin bon, etc. C'était très incisif. Bon, il avait un passé un petit peu de différentes écoles d'armes. Et puis il s'y intéressait, même s'il n'enseignait pas lui-même. Bon, on sait qu'à l'Aikika, il n'y a pas de cours d'armes. Hein. Osensei ne voulait pas. Donc c'était ce flou qui a amené beaucoup de gens à aller à droite à gauche. Bon. Dans les systèmes d'armes, bon, je ne sais plus trop maintenant, mais à l'époque, bon, soit aller au Katori, soit aller Musso Shinden Ryu, enfin je veux dire différentes écoles de Yae, soit maintenant les gens vont au Kashima. Okay. Mais à l'époque, Kashima Shinden Ryu, c'était pas connu. Moi j'ai connu ça parce que j'étais chez Yamaguchi Sensei un soir, et il m'a passé une vidéo de démonstration, et dans la vidéo de démonstration, il y avait Inaba Sensei, qui à l'époque n'était pas Inaba Sensei, qui était simplement Inaba-kun. Pour Yamaguchi Sensei, bien sûr, et je voyais cette démonstration et je trouvais ça assez intéressant parce qu'il me dit bah, écoute, si tu veux, je te le présente. Inaba était élève de Yamaguchi Sensei en Aikido. Il m'a présenté Inaba Sensei et puis Inaba Sensei m'a dit tu vas prendre le. Et en fait, il n'enseignait pas, il étudiait à l'époque parce qu'il a très très peu appris avec Kuni Sensei. Il était encore, il faisait encore partie du Kashima Shinden Ryu. Ouais, il était chez, voilà, il était, voilà, Kuni, je sais pas si Kuni Sensei était mort, je me rappelle pas à l'époque. Et en fait, c'est longtemps après hein, qu'il m'a dit, mais j'ai jamais enseigné à Christian. Enfin, il m'enseignait, mais on s'entraînait. C'était informel, ouais. C'était informel. On était quatre. On était quatre, voilà. Donc, alors, on y allait, j'en ai 3 fois dans la semaine, et le dimanche matin, on y allait 4-5 heures, et on faisait. On faisait des fois 4 heures de kesagiri, comme ça, sans s'arrêter. Et puis après, lui servait de hooker pour les techniques. Bon, moi, comme j'étais gamin, si tu veux, moi, c'était mon professeur. Mais en fait, il n'est pas beaucoup plus vieux que moi. Et c'est ensuite, quand on s'est revu il y a quelques années, qu'il me dit, mais non, on s'entraînait ensemble, quoi. Bon, mais par le fait, il m'enseignait. Donc, j'ai appris, j'ai beaucoup appris dans le Kashima, et c'était un peu mon caractère, ce côté direct, quoi.
enfin ce que j'aime pas dans l'aikiken, dans certaines formes de ken faites par des aikidoka, le côté négatif. C'est-à-dire, par exemple, on fait comme ça, on tourne son sabre, et quand on fait la coupe, on la fait reculant comme un tai sabaki qui recule. Moi, si je le fais, je ne fais pas ça, je coupe et je recule après. Parce que, peu importe si c'est de la forme, si les gens ont du plaisir à faire ça, tant mieux. Mais dans mon esprit, ce côté direct, par exemple, sur certaines formes de kashima où il y a l'attaque, on est directement dessous, pour moi, c'est hyper important. Et je l'ai retrouvé en kickboxing par la suite, parce que c'est ça, quoi. C'est vraiment, ça bouge, on est déjà parti. En aikido, c'est vraiment le sens d'irimi également. Il n'y a pas besoin de bouger, mais il y a quelque chose qui part. Et cette fulgurance quelque part, je trouvais ça merveilleux dans le kashima. Donc j'ai étudié les katas, etc. J'avais fait aussi un peu d'iai, j'ai fait un peu de kendo. Koken ? Non, j'ai fait on faisait le yari, on faisait le jo, etc. Mais c'est très très peu. On faisait le yari awase, enfin bon, mais c'était peu, c'était très peu. On faisait un peu de jo contre ken, le bateau jutsu également. J'ai fait beaucoup de bateau jutsu, j'en fais plus maintenant parce que comme j'étais opéré du coude, j'ai plus du tout l'extension et donc j'ai plus les mêmes gestes. Donc il faudrait que je refasse tout. Parce que quand on a un geste qui est rentré, on sait exactement quand ça sort. Après ça. Et puis, très sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse moins. Est-ce qu'il y avait des techniques à main nue ? Alors, à cette époque-là, Inaba Sensei m'enseignait pas ça. Mais de temps en temps, j'allais au cours de Tanaka Sensei, quand Inaba n'était pas là. Et Tanaka Sensei, lui, venait du Yoshinkan. Et lui, il faisait des techniques à main nue qui étaient différentes, donc je le faisais également. Mais après... Mais donc, ce n'est pas celle du Ryu ? Non, c'était de l'aïkido, c'était un peu différent, mais c'était de l'aïkido. Maintenant, j'ai vu les techniques à main nue de Inaba Sensei, elles sont très souples, très fluides, mais c'est pas du tout ma recherche. Pas du tout. Voilà. Mais bon, c'est pas moi, enfin, c'est autre chose, quoi. Il faut quand même que je précise. Moi, j'enseigne pas le Kashima Shinryu. D'abord parce que j'ai ni autorité pour l'enseigner, et puis aussi parce que, bon, à l'époque, si, quand je suis rentré du Japon, je pensais que, bon Inaba Sensei, logiquement, enfin, d'après les rumeurs, non plus n'enseigne plus le Kashima Shinryu. Donc, moi, ça fait longtemps que j'ai décidé que je ne garderai dans mon ken que les katas qui sont utiles pour mon aikido. Voilà, ok. Donc, il y a certainement des katas qui sont très intéressants, mais qui ne m'amènent rien dans mon aikido. Et même dans le jour, je regardais par exemple une vidéo du soke de Kashima Shinryu sur Men Tachizuke par exemple. Bon, eux, ils bloquent les mains près de la garde et je le comprends parce que c'est certainement plus puissant. Mais moi, ça m'intéresse pas parce que c'est pas comme ça que je fais Ikkyo. Je préfère avoir le bout du sabre, tu vois, qui bon. Donc je dis pas que je transforme pas cette école-là. Ce que je fais, c'est à partir de cette base-là, si tu veux. Eh bien, j'essaye de conserver les katas ou les formes qui sont utiles pour mes aikidoka. Donc, c'est vrai que les positions de pied, pieds ouverts, enfin, d'une certaine manière, c'est typiquement la position de l'aikido. Le ken, bon, je fais une fois par semaine ici parce que les gens ont de l'intérêt, tu vois, et encore, comme c'est à 11h du matin, donc il n'y a pas grand monde parce que les gens travaillent, ça balbutie un peu. J'enseigne le ken et le jo dans les grands stages. C'est-à-dire s'il y a une semaine de stage, oui, je fais une heure par jour parce que ça détend un peu les gens, ils aiment ça, ça évite de faire que de l'aïki, ils sont un peu moins cassés. Et pour le jo, j'ai beaucoup travaillé avec Saotome Sensei. Donc on travaille ensemble, c'est lui qui m'a tout appris. Et donc j'ai pas de forme de jo qui ressemble. Enfin, c'est les formes de jo qui ressemblent, enfin, que j'aurais appris avec Inaba Sensei. C'est des formes de ken, quoi. C'est à peu près la même chose. Quoi. C'est exactement les mêmes mouvements, mais avec un jo. Alors que dans les techniques de jo qu'on faisait avec Saotome Sensei, et qu'on voit d'ailleurs même chez Saito Sensei, hein, enfin, y a beaucoup de Hasso Gaeshi, c'est assez intéressant parce qu'il y a tout un travail comme ça qu'on peut répertorier. Puis il y a un côté ludique qu'il faut pas nier. Hein, les gens aiment ça. Hein. Mais bon, je suis pas un maître d'armes, quoi. Hey!
écoute, j'ai 64 ans. Je respecte de plus en plus de gens. Je suis beaucoup plus respectueux que quand j'étais jeune, j'imagine, parce que j'ai davantage de compréhension, de clémence pour tout un ensemble de choses. J'ai pas l'impression d'usurper ou de voler quoi que ce soit. Bon, si c'est le cas, bon, qu'on me le dise. Mais maintenant, si dans mon EQ, j'introduisais quelque chose de vraiment différent sur les principes, j'appellerais ça autrement. Dans ce cas, je créerais une discipline, ce qui n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, hein, franchement. Mais voilà. Mais il y a des gens qui disent, moi, je fais l'aïkido style Tissier. Ou je veux faire votre style. Mais j'ai pas de style. Enfin, moi, c'est le style de l'aïkikai, quoi. Enfin, je ne suis pas plus différent dans mon aïkido que Yasuno Lei, que Miyamoto, que les jeunes que je connais moins, Kanazawa ou Endo. Enfin, je veux dire, toi. Après, bon. Qu'on dise qu'il y a une ligne Tissier, c'est-à-dire, ça, dans ce cas-là, c'est autre chose. C'est des gens qui ont envie de se reconnaître, si tu veux, comme on dira Birenkai, comme on dira ce que tu veux. Mais moi, mon aïkido, enfin, c'est l'aïkido de l'aïkikai, quoi. Enfin, après, avec ma forme. Pour ça, j'ai pas l'impression ni de trahir ce que j'ai appris, ni... Ou alors, ils me le diraient. Bon. Après, oui, t'as des gens, si tu veux, qui ont été un peu ulcérés, gentiment ulcérés. Bon, je me rappelle, par exemple, de Fujita Sensei, avec qui j'avais un très, très bon rapport, d'ailleurs. Dit « Oh, mais Christian, ouais, c'est un showman. » Oui, parce que j'ai fait Bercy, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Parce que, de toute façon, il y aurait eu quelqu'un. D'accord ? Ok ? Alors, c'est parce que moi, Bercy, ça ne m'amuse pas. D'ailleurs, ça fait 4-5 ans que j'y vais pas. Tu vois, donc, j'ai envoyé Bruno, ça ne m'intéresse plus, parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est quelque chose un peu comme plus que ce que j'ai fait au World Games. En plus, bon, là, j'étais malade, enfin, je sortais d'un truc, je reprenais juste les kilos. Donc, j'ai fait quelque chose, mais j'ai envie de faire ça, faire lentement. Bon, je me suis comme fait attaquer là-dessus, tu vois. Oui, il marque des arrêts. Bon, je voulais montrer ce que c'était qu'un arrêt, faire une dégâts. Le mec, ouais, il a marqué des arrêts. Par contre, t'as Ito de l'Aikikai qui m'a téléphoné et qui me dit ah, c'est super ta démo. Maintenant, tu fais ça à Bercy, tu te fais siffler. Parce que juste avant, t'as le Krav Maga, juste après, t'as le Kyokushinkai, tu vois. Bon. Donc, voilà. Sauf que j'ai des centaines de personnes, quand je vais dans des pays, qui m'ont dit ah, j'ai commencé l'Aikido grâce à vous, je vous ai vu à la télé, et j'ai commencé l'Aikido grâce à vous. C'est ça qui m'a donné envie de faire de l'aïkido. Donc voilà, après que je sois un showman, ouais, enfin bon, je veux dire, je suis bien obligé. Hein. L'IAF, c'est un peu compliqué parce que si tu veux, bon, l'aïkikai a besoin d'une reconnaissance, si tu veux, c'est très important pour l'aïkikai. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais bon, ça semble important pour le Dochu d'avoir une reconnaissance du comité olympique, de faire partie des organisations internationales, etc. Donc, ils sont à la fois demandeurs et en même temps, ils voudraient que ça se fasse sans y aller, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Ça se met en place, l'IAF, ça vaut ce que ça vaut. Beaucoup de gens ont attaqué, ont dit « Oui, il va y avoir des compétitions. » Il n'a jamais été question de compétition, il n'a jamais été question de donner des points. Il était simplement question de dire, et j'ai trouvé ça assez intéressant, on veut arrêter de présenter des vieux croutons. On veut que ce soit des gens qui n'ont pas plus de 35 ans, maximum 4e dan, et des femmes et des hommes et des jeunes. Et pour dire, voilà, l'aïkido, c'est aussi ça, etc. Alors, moi, on me demande de superviser. Enfin, on est deux à superviser avec Miyamoto la dernière fois. On me demande de superviser, donc les gens viennent, ils nous montrent ce qu'ils font. On dit, ça, il faudrait que tu le changes un petit peu, ça, c'est pas bien, ça, c'est mieux. Il y en a qui arrivent avec un bagage technique qui est super, d'autres un petit peu moins, ça dépend des pays parce que chacun a son vécu, mais on essaie de faire quelque chose. Bon, les premiers jeux, c'était plutôt moyen. À Saint-Pétersbourg, j'ai trouvé qu'il y a une belle qualité, des belles images de l'aïkido, tu vois. Alors après, bon, évidemment, tu te fais attaquer tout le temps, ouais, mais c'est pas ça l'aïkido. Alors, ceux qui disent ça, bon, déjà, qui me montrent ce que c'est que leur aïkido, premièrement, et puis qu'ils aient le courage de le faire, et puis qu'ils acceptent les critiques aussi, quoi, tu vois. Bon. Donc. Voilà, moi j'y vais parce que si tu veux, on me demande d'y aller. Personnellement. Oui, non, mais ça peut être n'importe qui. Tu sais, très franchement, j'ai pas du tout. J'ai pas plus envie d'y aller que ça, quoi. Mais bon, je suis en duty, quoi. La dernière fois qu'il y a eu une réunion de l'IAF à Cluj, c'est l'an passé, en septembre dernier, à Cluj. Donc il y avait Waka Sensei qui était là avec Uchideshi, il y avait plusieurs jeunes et moi j'étais pas prévu. Bon, j'étais pas prévu parce que on m'avait pas demandé. Donc c'était très bien parce que j'avais un autre stage mais j'avais pas du tout prévu d'y aller.
Sauf que la Ikigai s'est un peu inquiété. Non, non, ils ont dit, non, non, Tani a envoyé net, ils disent, non, on veut que Christian soit là-bas, quoi. Non, il n'y a pas de plan du tout. Non, franchement, non, mais franchement, il n'y a jamais eu de plan. Tu sais, les choses se sont faites, mais vraiment, vraiment, enfin, comme ça, quoi. Je veux dire, j'ai jamais dit je veux faire ci, je veux faire ça. Les choses se sont imbriquées comme ça, petit à petit. Et c'est pareil quand les gens disent oui, il est très médiatique. Attends, j'ai jamais cherché à être médiatique. J'ai jamais cherché. Bon, il se trouve que j'ai enseigné le français à l'Institut Foucault japonais, ça se passait plutôt bien parce que je suis assez à l'aise en français. J'ai fait de la télé au Japon, j'ai été modèle. Bon, les premiers mecs qui sont venus interviewer quand je suis rentré en France, bah, ça passait bien parce que je bafouille pas, tu vois. Bon, ça est arrivé, hein, des mecs d'Antenne 2 qui me disent ah, bah, ça change des sportifs, tu vois. Bon, voilà, après. Bah oui, mais j'ai jamais téléphoné à une télévision, j'ai jamais téléphoné à un journal. Enfin, tu peux te renseigner, tu vas karaté, jamais, jamais. C'est eux qui me, sans arrêt, c'est eux qui me demandent. Hein. Non, je sais pas si je changerai quelque chose. Mais. Non, je changerai pas parce que. Il n'y a rien qui est parfait. Hein. Les choses qui n'ont pas été comprises. Ah, bah ça oui, il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Mais bon, ça, c'est tous les jours, quoi. Enfin, oui, il y a certainement des relations que j'ai eues avec des gens à un moment donné que j'aurais pas dû avoir, que je regrette. Mais c'était pas très important. Pas très important, des fois, prendre une position un peu radicale vis-à-vis de quelqu'un et pas se rendre compte que ça le touchait personnellement au point qu'il en arrête les kilos, quoi, tu vois. Oui, c'est pas bien de ma part parce que bah, j'ai pas été à l'écoute, quoi. Bon, après, bon, lui non plus, hein, il n'a pas vu qui j'étais. Enfin, je veux dire, mais ça arrive tous les jours, quoi. Mais non, j'aurais fait vraiment quelque chose de pas bien, oui. Bon, je le vis bien parce que voilà, c'est comme ça. Faut pas. De toute façon, c'est rap en s'améliorant, ni ça ni autre chose. Hein. Non, ce que je regrette, c'est les erreurs que j'ai faites quant à ce genou, quand ça a commencé à péter. Bon, c'était une époque où on se tire un peu la bourre avec Shibata, Miyamoto, tout ça. Et moi, j'avais le ménisque qui avait pété et je venais quand même. Et je pouvais pas travailler, mais je restais une heure en César sur le tapis en bois à faire le machin. Je souffrais le martyr. Complètement idiot, quoi. Ouais, mais je suis quand même là au cours, je faisais mon petit samouraï. Ça, plus ça, et voilà. Et quand je me suis fait opérer du ménisque, la première fois, le soir même, j'étais sur le tapis. Le lendemain, j'étais à Dijon en stage, tu vois. Donc ça, c'est des idioties. Donc oui, ça a changé quelque chose, parce que maintenant, quand je vois quelqu'un qui commence à avoir mal au genou, je dis, écoute, le plus important, c'est ton corps, quoi, je veux dire. Et voilà, et ça me rappelle ce que raconte Endo Sensei tout le temps, avec sa discussion avec Yamaguchi. Moi, quand j'ai connu Endo, il était très, très... Il était hard, hein, il était plutôt violent. Hein, bon. Et un jour, il s'était pété l'épaule dans une démonstration avec le Doshu. Et puis Yamaguchi-sensei, on était au café, il lui dit mais alors tu veux continuer à avoir les épaules bloquées comme ça à ton âge maintenant? C'est comme ça que tu veux continuer? C'est ça l'aïkido, ben, tu ferais mieux d'arrêter, hein, tu ne sers plus à rien. Et là, hop, il a commencé à réfléchir. Hein, il a changé son aïkido. Non, moi, ça n'a pas changé mon aïkido, j'aimerais pouvoir retravailler à genoux parce que il y a quelque chose qui est très, très frustrant quand tu enseignes, c'est d'expliquer quelque chose que tu ne peux pas faire. Et ça, c'est grave. Alors je le fais, je prends quelqu'un qui le fait, j'explique, je donne des conseils, mais ça me gêne un petit peu. Ça me pose un problème parce que comme je ne peux pas descendre, enfin, je ne peux pas mettre ce genou au sol du tout, puisqu'il ne plie plus, il ne se tend plus, j'ai tendance à faire les techniques. Si je fais Ikkyo Nikkyo, je le fais du même côté pour pouvoir poser le bon genou, quoi. Bon, après, en dehors de ça, voilà, c'est fini. Enfin, ma carrière d'aïkidoka, elle est derrière moi. Enfin, je veux dire, j'ai des choses, j'ai beaucoup de plaisir à pratiquer, mais je me fais pas. Enfin, je pense que le jour où j'aurai vraiment un problème plus important, que je pourrais pas faire ce que j'ai envie de faire. Pour l'instant, je peux faire ce que j'ai envie de faire debout. Le jour où je pourrais pas le faire, je pense que je le montrerai plus dans ce cas-là. Je trouve ça ridicule de montrer à des gens qui ont 20 ans et qui sont en pleine forme, enfin en pleine possession de leurs moyens, comment faire quand on n'est pas en possession, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi.
C'est un peu ma réflexion actuelle, c'est amusant. J'ai eu plusieurs générations d'enseignants, presque tous les cadres de la Fédération française, et puis bon, un peu ailleurs, bien sûr, dans le monde entier. Les premières générations, Gérard Dumont, etc., maintenant sont un petit peu en dehors de ça. Après, il y a eu Patrick Benesi, Bernard Palmier, enfin tous ces gens que vous connaissez. Après, il y a eu Philippe Goutard, après, il y a eu d'autres, etc., Pascal Norbelli, qui sont moins connus au Japon. Il y a une nouvelle génération maintenant. Les deux dernières générations, ça a été Bakrati, Gonzalez, Pascal Guillemin, qui font une belle carrière, hein, faut le dire, font une belle carrière. Et puis maintenant, j'ai Fabrice qui est passé cinquième dan, Fabrice Croisé avec Hélène. Puis il y a des jeunes qui viennent maintenant, là, tu verras peut-être tout à l'heure, des troisième dan, qui ont vraiment envie de bosser beaucoup. Je suis pas exigeant, enfin je suis exigeant sur les gens me demandent quelque chose, je leur enseigne, je veux dire, ils viennent, j'enseigne. Et tant qu'ils seront là, je ferai des efforts pour être là, pour l'enseigner au maximum, etc. Mais je ne demande rien en échange. Je ne joue pas les sensei, je ne demande pas à ce qu'on me porte mon sac, je n'ai jamais rien demandé. Pourquoi? Parce que ma vie est belle. Elle ne peut pas être plus belle, à tout point de vue. Je veux dire, mes enfants, ma vie familiale, enfin, c'est super, je suis heureux de ce que je fais, je n'ai pas de problème. Enfin. Donc, je ne vois pas pourquoi. J'irai demander si je peux aider des gens dans quoi que ce soit, j'essaye de le faire. Mais je ne demande rien en retour, si tu veux. Et je me suis aperçu que souvent, dans les enseignants d'aïkido, il y a une mainmise sur les élèves, si tu veux, toi, qui font que, effectivement, les élèves restent. Alors, est-ce qu'ils restent parce qu'ils sont dominés, par intérêt, etc. Et moi je ne suis pas comme ça. Et donc, beaucoup d'anciens élèves avec qui je suis toujours en contact, mais que je vois très très peu. Je vois très très peu parce que ils ont monté leur propre dojo, et puis maintenant ils ont 50 ans, 50, 5 ans, et puis ils ont des enfants, et puis voilà, donc ils viennent une fois de temps en temps. Mais ce qu'ils font, c'est bien, mais c'est pas ce que je fais maintenant non plus, tu vois. Enfin, c'est autre chose. Ils n'ont pas suivi. Ils ont leur évolution. Attends, j'ai rien contre ça. Ils ont leur évolution, mais c'est vrai que s'ils viennent, certains, dans un cours maintenant, ils auront l'impression de plus savoir faire. Enfin, de pas être dans le coup, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Tu vois. Et souvent, ça les éloigne. Donc on voit moins, quoi. Enfin. Mais voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que quand je suis rentré du Japon, je suis rentré en 76, 77. Je suis retourné à peu près 4 mois par an au Japon pendant une dizaine d'années pour rester toujours avec Yamaguchi-sensei. Il venait deux fois par an en France et je passais deux mois en hiver, deux mois en été pendant 10 ans. Après, mon fils est né en 82. Bon, puis après, t'arrives, t'es 5e, 6e dan, bon, t'es plus les mêmes. Tu vas pas de la même manière là-bas, quoi, je veux dire. Mais c'était important de garder ce fil, quoi. Et je m'apercevais qu'effectivement, Yamaguchi-sensei, lui, c'était différent. Tous les 3 mois, c'était différent. Donc, si les principes étaient les mêmes, c'était différent, quoi. Donc, c'était important de garder ce fil, quoi.